beaucoup de niveaux, hein. Donc ça alterne pièce d'or, racine dollar. Dernier niveau. Bon, la réduction, on gagne pas grand-chose, hein, évidemment, à ce niveau-là. Vous voyez, c'est 18 pièces d'or au lieu de 22 pour le dernier niveau de transmission. Et là, 32 au lieu de 40. Bon, toujours 8 pièces d'or à prendre, hein. Mais tous les niveaux précédents, j'en ai fait monter plusieurs, que je suis allé jusqu'au bout. C'était même pas une dizaine de pièces d'or à dépenser à chaque fois. Alors la corvette court dans deux séries. Cette série en élite. C'est celle qui a l'IP le plus petit. Ou en pro-am. Voyez, c'est l'avant-dernière. Celle placée au centre. Enfin, il faut savoir que là, je l'ai quand même améliorée pour rien parce que ça fait. C'est une des premières voitures que vous avez dans le jeu. Et avec un. Et vous finissez les séries dans lesquelles elle court avec un IP de 25 environ. Alors. Son IP elle est de 25. Donc en fait, quand ils ont proposé l'amélioration en solde, ça ne servait à rien parce que j'ai fini les séries dans lesquelles elle court. Alors j'espère que s'ils proposent des soldes sur les améliorations, c'est parce qu'ils ont en tête de faire une série exclusive bientôt. Bon, sinon elle peut aussi servir pour des compétitions d'équipe aussi, ce qui m'est souvent arrivé. Donc là, je vais simplement voir un peu ce qu'elle donne sur quelques courses particulières que j'ai choisies, en commençant par l'endurance sur le speedway. Ah, 22 km quand même, je sais pas si l'IP de la voiture est adaptée à ce niveau dans la à cette classe dans la série. Mais bon, c'est plutôt une démonstration, mais je voudrais bien finir premier quand même. Alors c'est une livrée custom que j'ai téléchargée.
Oui, alors la Corvette, en fait, je me souviens, ça y est, j'avais uniquement force de parler, voilà, les améliorations possibles en récit dollar, c'est-à-dire un partout, sauf pneus roues, c'était deux. Donc, 1-1-1, 1-1-1-2. Ça, c'était il y a quelques heures, et ensuite en dépensant tout un niveau suivant en pièces d'or avec le discount pour 54 pièces d'or, hein, je vous confirmerai ça tout à l'heure. Puis ensuite le niveau, tous les niveaux suivants en racing dollar. Et ensuite certains niveaux en pièces d'or puis en racing dollar. Je suis arrivé au niveau d'amélioration actuelle. Mais le point important à retenir, c'est que j'avais fini d'utiliser la Corvette qui n'avait plus aucune utilité dans les séries du jeu. Avec les améliorations maximum possibles en racing dollar qui sont 1-1-1-1-1-1-2. Voilà. Donc c'est pour ça que vraiment j'avais aucune utilité à l'améliorer plus loin et à dépenser des pièces d'or malgré le discount. Je fais juste le pari donc. Que je devrais faire 1000 moteurs mais rester concentré. Donc je fais le pari qu'elle sera utilisée ailleurs. C'est quand même une voiture iconique. Peut-être qu'ils vont créer une série exclusive, mais j'en sais rien. Que je boucle le tour. C'est la seule chose qui compte au niveau des récompenses, voilà. Vous avez vu la vue capot ce que ça donne. Comme un problème. Oula! Pas si près. Alors, c'était pas 54 pièces d'or. C'était 52 pièces d'or avec avec le discount. Donc pour passer de 1-1-1-1-1-1-2, qui était le maximum possible uniquement en racing dollar, qui m'avait permis de totalement utiliser la Corvette dans le jeu, pour passer à 2-2-2-2-2-2-3, c'est-à-dire
Partout, un niveau supplémentaire en pièces d'or, c'était 52 pièces d'or. Donc je vais repasser en catégorie élite dans l'autre série maintenant. Donc The Legend Continues. Et je vais encore faire une endurance, cette fois-ci à Spa-Francorchamps. Donc on va voir un peu mieux les qualités de freinage et de tenue de route à grande vitesse. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai quelques infos complémentaires et quelques corrections à apporter à ce que j'ai dit précédemment. Donc, avant que j'utilise le discount actuel sur les améliorations de la voiture, je vous avais dit que la voiture, je l'avais utilisée au maximum dans le jeu en l'ayant améliorée au maximum possible avec uniquement des Racing Dollars, c'est-à-dire à 1-1-1-1-1-1-2. C'est-à-dire un partout sauf deux pour les pneus et les roues. Et j'avais dit que l'IP devait se situer autour de 21. Eh ben non, l'IP pour le maximum possible avec uniquement des Racing Dollars est de 17,1. Et cela m'avait permis de terminer toutes les séries dans lesquelles elle court, les deux séries dans lesquelles elle court. Car de toute façon, c'est pas une voiture qui permet de terminer les séries, on termine les séries avec les autres voitures qui se trouvent dans les mêmes séries. D'autre part, la course d'endurance sur le circuit de Speedway que je viens de terminer n'avait pas d'IP requis, mais dans les classes précédentes, il n'y avait pas d'IP requis non plus. Et dans la classe suivante, la classe 8, la course de coupe 8-3 avait un IP requis de 12. Donc vous voyez bien en dessous de l'IP de la voiture. Ici, pour cette course d'endurance à Spa-Francorchamps, l'IP requis est entre 34 et 39. C'est-à-dire que la première course qui a un IP requis, la première course avant qui a un IP requis a un IP de 34, et la première course après qui a un IP requis, c'est 39. Donc vous le voyez d'une façon ou d'une autre, on se trouve en dessous de l'intervalle. Comme les courses ont déjà été courues, il n'y a plus d'IP requis affiché. Donc, malgré que j'ai une voiture en dessous de l'IP requis, je vais quand même le faire. Quand même une belle distance. J'ai vu une voiture dans une vidéo en vrai au moment où à Spa-Francorchamps avec exactement la même livrée.
Alors, j'ai essayé de trouver sur internet la photo de cette véritable voiture ou la vidéo qui la contient. Et je vous la mettrai après. Peut-être même je vais la mettre en miniature pour la vidéo, si possible. Dès le début du freinage, je sentais que c'était pas bon. Ah, c'est vraiment un tour de découverte là, pour moi. On va essayer de faire plus vite quand même. Rêver au Corneille ou quoi là? Je sens bien l'impression que donne. C'est quand même bien fait. Le long empattement de la voiture, la difficulté à tourner et à rester droit. On a anticipé un peu beaucoup de choses avec. Que je sorte parce qu'il faut que je boucle ce tour. Merci pour la fumée. Ah, les reprises sont foudroyantes. Ça, c'est un big block, hein, 427. Un moteur de 7 litres. Et des poussières.
Voilà, si je finis pas premier, c'était juste. Des fins de démonstration, j'aurais pu, hein, apparemment. Parce que j'avais rattrapé les autres devant. Il manquait 2 km. Voilà, je vais encore faire une course de coupe Laguna Seca, qui est un hyperuki de 21, donc qui correspond à la voiture, pour boucler cette vidéo de démonstration qui serait un peu sous-titrée. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser le discount pour cette voiture? C'est vraiment un discount pour les comptes d'apothicaire, parce que c'est pour économiser quelques pièces d'or seulement, hein, vu le faible coût de la voiture. Voilà, cette course-là. Alors, pendant la révision de la voiture, j'ai fait quelques recherches à propos de la livrée de la voiture, et j'avais raison, c'est une livrée très connue. Alors, j'ai trouvé l'info, une info en anglais assez complète. Je mettrai le lien vers la page web dans la description de la vidéo. C'est donc l'équipe de course Owens Corning Fiberglass Race Team, qui avait commissionné 3 voitures. C'est la deuxième sur les trois. C'est une des voitures les plus connues, qui a eu plus de victoires. Il y a eu 3 numéros, la 12, la 7 et la 67. Voyez, je vais défiler le site. Donc, lisez le site où, à partir des infos du nom de l'équipe, cherchez, pour ceux qui ne sont pas anglophiles, anglophones, faites une recherche Google à partir du nom de l'équipe, hein, Owens Corning Fiberglass Race Team, ou le nom des pilotes que vous avez en plein milieu, Tony DeLorenzo et Jerry Thompson. Et je vais mettre aussi la vidéo de la vente de la voiture originale, une vidéo YouTube. Je la mettrai en lien et aussi parmi les vidéos liées à la fin de la vidéo, de ma propre vidéo. Donc la vente aux enchères de la voiture, complètement restaurée. Alors au fait. C'est une présentation de type FIA, Fédération internationale de l'automobile. Vous retrouvez le nom de l'équipe dans l'encadré. Owens Corning, Fiberglass. Hein. Fiberglass, c'est fibre de verre. Je vous rappelle que c'est une carrosserie en fibre de verre. Bon, allez, on retourne à la course.
Oh! Je voyais plus où était la route avec ce capot là. C'est bizarre qu'on les entende pas plus. Les assez cobras avec leur tour latéraux, elles font vraiment du bruit. En plus, c'est les 427 dans le jeu. Quand vous êtes dedans, les pilotes, elles sont bruyantes. Vous voyez, je suis déjà deuxième. Je vais me mettre peut-être en vue. Ah oui, on les entend un peu plus là. C'est peut-être parce que j'avais les vitres fermées. Bon, allez, je te laisse passer là. Encore une fois, je le répète, je suis très étonné du nombre de cobras dorés, couleur bronze dorée. Comme la mienne, c'est une livrée perso que j'ai faite. J'ai oublié quelle était la couleur de base. C'est peut-être celle-là. Un drôle de bruit, je trouve quand même. Je ne m'attendais pas du tout à ce bruit là pour de Corvette Big Block. Je vais. À la fin du vidéo, je vais faire quelques. Faire tourner un peu le moteur de la Cobra 427, qui est donc un moteur Ford, pour comparer.
J'avais promis de faire écouter le bruit du moteur équivalent de chez Ford. Ah ben voilà, en course d'accélération, c'est parfait. Ah, je me suis un peu planté là. Voilà, donc petite présentation de Stingray 1969. Est-ce que ça valait le coup de faire d'utiliser le discount sur que je répète dans mon cas sur une voiture déjà utilisée totalement dans le jeu, il n'y avait plus d'utilité. Et discount sur pour gagner quelques petites pièces d'or de rien du tout. Ah, j'ai pas trop l'intérêt de sauter sur l'occasion de faire un discount pour gagner 4 pièces d'or alors qu'on a tout le temps de le faire quand on le veut et conserver les pièces d'or actuelles pour par exemple les séries à durée limitée de la mise à jour actuel. Voilà. Et sur ces beaux discours, on va quand même finir sur une image qui correspond à la voiture. C'est pas celle-là. C'est l'autre. Beau discours. Je vous laisse.